Par contre, pour le côté mort, moi, je pense qu'on se rend pas compte. Tu penses que c'est inconscient? Enfin, je pense que tu vois, genre, si t'étais immortel, je pense pas que t'aurais monté ton podcast et tout ce que tu fais là aujourd'hui. Non, c'est sûr, c'est sûr. Je pense qu'en fait, ouais. le fait qu'il y ait une fin, même si tu n'y penses pas, le fait que tu le sais et que, en fait, voilà, toute notre société est construite. Mec, la société est construite de cette manière-là, oui, et si, enfin, on a compris. Autour du fait qu'il y a une fin, parce que même le progrès, tu vois, genre le progrès scientifique, technologique, toutes nos avancées, tout ça, c'est parce que on sait qu'on est de passage, c'est parce qu'il y a un moment ça va s'arrêter, c'est parce qu'il y a peut-être une volonté de laisser une marque aussi, tu vois. Mm-hmm. Si on était là en mode on est tous immortels, déjà, rien que se nourrir, tout ça, c'est pour subvenir à des besoins vitaux. Si tu les as pas, tu meurs, tu vois. Mm. Mais si vraiment on était comme des elfes, tu vois, et qu'il n'y avait rien besoin de tout ça, on serait quand même tous, tu vois, genre ça serait très plat, quoi. Tu vois, ça genre, serait plat, ouais. On serait là, genre. Il n'y a pas de challenge, il n'y a pas de. Ouais, ouais, tu vois, genre. Pourquoi je vais inventer un micro-ondes qui va faire que ma cuisson va être réduite? J'ai le temps de faire ma cuisson. Pourquoi je vais la réduire, tu vois, genre, oui, on le fait ça avec des pierres, ça prend 3 jours, mais c'est très bien, tu vois. Ouais. C'est quoi le problème, tu vois? Ouais. On n'a pas ce truc de vouloir se dépasser, même à l'échelle de l'individu, mais aussi à l'échelle de l'humanité, constamment, tu vois, si on était immortel. Ouais. Mais est-ce que là... C'est marrant parce que là, on voit vraiment la manière de penser des haineux, en fait. Ils vont commencer à se poser des questions par rapport à des trucs et ils vont, comment dire... Ça ressemble de loin. Enfin, en fait, il y a comment dire. Souvent, on pourrait avoir l'impression que je critique les personnalités, les fonctions, etc. Ce n'est pas le cas. Quand il va dire dans une autre vidéo qui n'a rien à voir, il trouve encore un moyen de te parler de la construction de la société, tu vois. Bon, c'est pas parce que c'est mal en soi. Donc, quand je dis c'est bon, mais qu'on a compris, passe à autre chose, pas parce que c'est mal en soi. Ce qu'il dit est vachement intéressant et très très vrai. Effectivement, la société est construite sur le fait que on a besoin de se nourrir. Plus que la société qui est construite comme ça, c'est le monde entier d'ailleurs, parce que tout meurt en fait, tout meurt à un moment, enfin tout ce qui vit meurt et la vie est définie par le fait qu'elle est passagère. On ne considère pas une montagne comme étant en vie, parce que même si la montagne elle peut disparaître, elle ne vieillit pas, elle n'a pas de, enfin si elle vieillit, elles sont de plus en plus érodées au fur et à mesure, etc. Mais bref, tu vois ce que je veux dire, et là je rentre moi-même dans son truc. Dans la réflexion philosophique par rapport. Bon. Mais ce que je veux dire, c'est que ces manières de penser là, ce genre de sujet, souvent, ce sont les haineux qui vont bien aimer ça. Et tu penses d'ailleurs que. Ah ouais, genre, il va écrire tout un livre sur ça. Non, non. Là, il parle de ça. Dans 5 minutes, il parlera d'autre chose. Il va imaginer le fait que. Ah, mais c'est dingue. Il va commencer à trouver ça dingue, un truc de la vie de tous les jours. Tu vois, comme moi, j'ai trouvé dingue les passages cloutés dans ce décodage qui s'affiche. Il s'appelait. Le monde est haineux, voilà, il me semble. J'ai expliqué que je trouvais dingue le fait qu'il y ait des passages cloutés. Quand on y réfléchit, c'est dingue, tu vois. Et souvent, les ENP, d'ailleurs, ont tendance à s'exciter pour des trucs débiles, enfin, qui paraissent. Enfin, oui, non, clairement, si, il y a des choses débiles, c'est débile. Ils vont s'exciter à mort pour des trucs comme ça. Et il y a vraiment que eux qui font ça, parce qu'en fait, ils vont se dire waouh, incroyable! Et après, ils vont rechercher encore ce waouh incroyable par rapport à un autre truc, tu vois. Parce que les haineux vont trouver quelque chose d'incroyable. Mais quand ce truc-là va être incroyable, ils vont du coup se dire c'est incroyable et aller dans cette direction-là à fond, à fond, à fond, à fond. Ils vont pas du coup chercher d'autres trucs incroyables et d'autres trucs cool et d'autres trucs intéressants, tu vois. D'autres trucs, d'autres curiosités, tu vois. Les haineux, souvent, c'est des choses qui sont intéressantes et qui sont curieuses. Et qui sont ouais, intrigantes, tu vois. C'est ce côté-là un peu, wow, genre on sait pas qu'est-ce qu'on va découvrir et tout, c'est du mystère, c'est de l'intuition, genre c'est pas quelque chose qu'on peut voir, c'est un truc plus abstrait, plus ésotérique, disons. Ouais, plus abstrait. Et du coup, c'est nouveau et c'est cool, etc. Et on va être surpris. Mais ouais, en tout cas, on dirait, enfin, c'est clairement, vraiment, ces fonctions d'observation, c'est clairement de l'intuition extravertie. Hein. On n'est pas dans un excès. J'irais même plus loin, est-ce qu'on n'a pas toujours été dans un excès? Est-ce que c'est pas intrinsèquement, on est. Tu vois, genre, c'est qu'est-ce qui fait que ça. Oui, c'est relatif, c'est ce que tu veux tu vois? dire. Ouais. C'est relatif, c'est sûr, mais bon, C'est-à-dire que c'est là, vrai que maintenant, l'excès, il se voit. en fait, on est dans une accélération exponentielle, c'est ça que je veux Ouais. dire. Et ça qui me fait un peu peur, Oui, parce qu'on est de plus personnellement. en plus nombreux, etc. Mais. Et tout va plus vite, Ouais. tu vois, les progrès qu'il y a eu entre 1990 et 2000, et entre 2010 et 2015, rien à voir, quoi. Ouais. Et c'est ça qui est un peu inquiétant. Et bon, c'est là où voilà, je disais, bon, moi, je dis souvent, le savoir, c'est le pouvoir. Parce que c'est vrai que sans savoir, tu ne peux pas pas mal de choses. Ouais. Mais il y a un côté où parfois, fermer les yeux, enfin, tu vois, je sais que je ne pense pas trop,
à l'avenir, ce que ça va être dans 10 ans, dans 20 ans. Et d'ailleurs, j'en parlais, pour tout te dire, avec ma tante hier, qui me disait... C'est marrant parce qu'elle, on dirait effectivement une SI, une décideuse extravertie, peut-être TE même, mais déjà, genre, première chose qu'elle fait quand elle va parler, c'est de dire, ah, c'est ça que tu veux dire. Elle va vraiment écouter, essayer de rentrer dans le monde de l'autre et essayer de vérifier qu'elle a bien compris ce que la personne disait, tu vois. Et là, elle te parle du futur, et pareil, on dirait que c'est le même axe. Mais elle t'en parle pas de la même manière parce que elle te parle encore une fois du monde réel. Regarde, entre telle date et telle date, et entre telle date et telle date, des choses qui sont vérifiables, etc. Et c'est pas, ça va dériver, et j'ai l'impression que machin. Non, c'est juste, j'essaye de pas y penser, tu vois. Le futur lui fait peur, tu vois ce que je veux dire? Il y a ce côté-là, sensation, on voit ça souvent chez les sensitifs. Pas d'ailleurs parce que les intuitifs pensent au futur, etc. C'est pas ça, c'est juste que, évidemment, le présent et le passé, c'est plus concret que le futur. Donc le futur, ça laisse souvent... Enfin, les intuitifs vont souvent s'engouffrer dans le futur parce que ça leur permet d'imaginer à peu près ce qu'ils veulent quand c'est NE. Et ça leur permet de dire, mais si, on va dans cette direction-là, vous verrez bien que vous avez raison quand c'est NI. Et du coup, souvent, les sensitifs, ils préfèrent se baser... Enfin, ils préfèrent ne pas penser au futur parce que le futur, t'as aucune preuve, t'as aucun fait. Enfin, tu vois, c'est trop abstrait, le futur. Et elle, on dirait effectivement que c'est ça. On dirait aussi qu'il y a ce côté-là. Oula, je ne sais pas trop où est-ce qu'on va. C'est un peu, genre, ça fait un peu peur. Du coup, je préfère ne pas y penser, tu vois. En blanche pour te dire là où tu peux traverser. Enfin, genre, enfin, c'est très drôle, je trouve. C'est très, genre, c'est vraiment tellement. Et si en fait, on s'en rend pas compte parce qu'on vit dedans, mais c'est vrai qu'un monde où il y a des passages cloutés, ça n'a pas existé pendant la majorité quand même de l'existence de l'espèce humaine. C'est vraiment bizarre. Les passages cloutés, c'est vraiment, vraiment bizarre. Et là, je pars en mode observateur qui va paniquer pour un truc. Non, mais vraiment, les passages cloutés, c'est très bizarre. Vraiment, quand on y réfléchit, c'est très bizarre.